Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Okay. Arrière à Kozia, surplus de population, populace inspirée, je vais recruter Onil, ouais. Ils sont encore en train de recruter les saligots, ils se mettent bien les salauds. Hop. On y va, monseigneur, monseigneur. Là, on va vite fait avancer. Ce chemin est bloqué. Ce chemin est bloqué. Que puis-je faire pour l'Égypte? En marche. Comme tu me diras, lui, je peux l'avancer, j'ai pas de soucis. Il meurt pas de faim. Au nom de Pharaon. Vraiment? Ils sont un de bouffe. Comment puis-je vous servir? Pas de chance. Là, normalement, je suis censé avoir bientôt des archers. Ah, ils sont pas chers, tes frondeurs. 74 par tour. Les tiens, ils sont plus chers. Je crois qu'ils sont plus chers que les miens. Ouais, ils coûtent 88. Par ah non, ils sont plus chers, les miens. Ils sont plus chers à l'entretien. Ah ouais. Ah, les tiens sont un peu expérimentés. Ah, t'as un bâtiment qui améliore les armures. Ah bah oui, j'ai Dios Polis. Donc, armure de niveau 1 et arme de niveau 1. Ah, moi, j'ai vraiment de la piétaille orientale. Elle me coûte plus cher, quoi. Terrible. Après, par contre, toi, t'as les unités au corps à corps qui te coûtent rien. Pas oui, les lanciers orientaux, c'est vraiment très cheap. Hein. Ah bah quoique, mes infanteries, en fait, elles coûtent moins cher aussi. 64, toi, c'est 74, je crois. Ah, les plus chers, de mon côté, c'est les hoplites et les piquiers. Ah oui, bah là, les piquiers... Combien ils coûtent? Je crois que les miens, ils me coûtent un peu moins cher aussi. Je suis à 117. Et guerriers égyptiens, ils sont à combien? 59. Ah, ils sont vraiment pas chers. Hein. 64, moi je voyais sur mes guerriers. Tiens, c'est marrant, on a pas les mêmes prix. Les piquiers égyptiens, ils sont peu moins chers à entretenir que les piquiers là. Les milices de piquiers. Ah, tiens, c'est marrant. C'est-à-dire que toutes mes troupes ont en moyenne moins de coûts au recrutement. C'est bizarre. Comment ça? Après, c'est au niveau des stats qu'il faudrait voir. Mais comme c'est moins cher, tu peux en faire plus, même si c'est peut-être un peu moins bien. Ou alors peut-être un dirigeant, un bonus peut-être d'un général ou un truc comme ça. Ah, je l'ai pas vu. T'as cette rapie, elle s'est fait attaquer par les Galates. Ouais. Ah, mais regarde, moins 10% de coût d'entretien pour toutes les unités terrestres. Mon tes bonus de faction. Mon Basileus. Enfin mon... Ah d'accord. Mon quoi? D'ailleurs il est quoi lui? Mon pharaon. Bah je suis con. Ouais il a perdu 6 dés et il a même pas tenté de la défendre. Je sais pas pourquoi. Il a eu peur. Pharaon Basileus. Par contre en vrai t'as les Sardes, ils sont chauds là. Ils ont envie de se venger les Sardes là. Tu les vois à la frontière? Ils sont en mode... Une vengeance ah, oui. Sur les Galates. Ouais, en plus ils viennent d'attaquer Sidé, donc petit backstab. Ah ouais, ils sont chauds les gars. Ah, j'ai pas recruté de champion ni de dignitaire, tiens, il faudra que je le fasse. Ah oui, je peux adopter, ça me coûte que de la gravitate, donc je vais adopter Roxana. Comme ça, si jamais ils créent un parti, eh ben ils resteront. Ce sera un personnage extérieur et pas le mien. Ouais. Donc là ça recrute ici, oui. Donc on va attendre juste les prochains tours, les archers égyptiens. Et on ira casser du couche. Hop, je reviens, j'en ai pour 2-3 minutes, j'arrive. Pendant ton tour. Recherche.
Ah, j'ai un surplus. Ah, c'est cool ça. Je vais pouvoir faire un bâtiment agricole à Edess. Ah, quoi qu'un temple. Pire, je ferai un temple de Poséidon, ça me donnera des sous. Paradis de Daphné, c'est quoi ça? Niveau 5. Ah, c'est l'amélioration ultime du bois sacré. Ça donne des gros bonus d'influence hellénique. Hein. Et de richesse provenant de l'agriculture. Pourquoi je fais un temple maintenant? C'est tout simplement parce que il faut les convertir un petit peu culturellement là. Tant pis, hein, je leur ferai une ferme plus tard. Hein. Ils se nourriront spirituellement. Travaux forcés, plus un de croissance. 5% de coût de construction. Ah, ça, c'est une tech assez utile à avoir en début de partie, ça. Je vais voir ce qu'ils ont d'amathus. Ah, d'accord. Tu vois l'armée qu'ils ont perdue? Eh bien, les orientaux du sud, là, dans le désert, ils ont recruté une nouvelle armée. Ça recrute vite, hein. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais construire? Bah, je pense que je vais améliorer Tarsus. Je peux me le permettre. Ça c'est bien, c'est qu'on peut faire une petite pause toilette quand c'est le tour de Vae, et c'est lui qui prend le relais, c'est cool. Surtout que je mets du temps à faire mon tour alors que je dois avoir 3-4 clics à faire. Non mais en vrai tu fais bien. Hein. Moi pareil, hein, je prends le temps qu'il me faut. Ouais, parce que c'est pour éviter d'oublier un truc, quoi, on sait jamais. C'est ça. Non mais Ah, c'est bon, j'ai fini. c'est surtout qu'en fait bah quand je suis pas là, c'est toi qui meubles entre guillemets. Donc c'est parfait. Moi, je le fais naturellement, tu sais. C'est mieux que chez Ikea. Vous voulez des meubles? Allez chez Vae. Vous n'allez pas à les monter comme chez Ikea. S'il vous les apporte, mais déjà fait, c'est impeccable. Entraînement de cavalerie. Ah bah c'est bête, j'ai recruté ma cavalerie à 3 tours. Il y a du monde là. Ah ouais, Et on pour peut la tenter un petit truc, performance, Vae. puis-je aider Pharaon? Ah, j'ai Que une petite armée puis-je faire devant pour là. C'est l'Égypte? gourmand quand même, ça va être Prêt compliqué. pour la bataille? À moins qu'ils t'ont attaqué, c'est ça? Non, on va attaquer Cyrène. Avancez, je vis pour servir Pharaon. Je pense que je vais Hâtez, devoir votre recruter vieille Cyrène. famille. Est bloquée. Oh, je vais recruter deux petites unités. Ouais, non, ça coûte trop cher. J'allais dire, j'allais prendre deux éléphants, ça va te faire plaisir. J'ai vu 700, j'ai fait, oh non. C'est un peu cher. Ouais. On va prendre Ah, tu des. vas attaquer la petite unité qui est à l'extérieur pour faire la bataille sur le champ de bataille, j'imagine. J'aimerais bien, mais il est allé à peine trop loin. Ah, dommage. Ouais. Ils vont peut-être t'attaquer, qui sait. Hein. Comment puis-je aider Non, ils sont. Pharaon Ah, quoi ici? que, si, j'ai la portée. Oh, j'ai la Des portée fois, à l'IA rien. sur Rome 2 Servir est quand même Pharaon. agressive, hein. Elle se laisse pas assiéger. Hein. Pas quand elle est pas à Avancez à l'avantage. votre service. Ah Le non, temple ils ont d'Arès j'ai est pas la portée terminé de. là. Dommage. Laissez-les battre en retraite face à notre puissance. On va faire un Oh, je m'en siège. rappelle, oh, les Nous accents qu'il y a sur prenons Rome cette 2. colonie Ouais. pour vous, les dieux Je sais pas si n'irons ça pas. passerait de nos jours, ce genre d'accent. Ça ferait scandale. Un peu, ouais. Oui, Sekhmet, nous donnez la force. Bon, on va faire en résolution auto, parce qu'en résolution auto, je sais pas comment, le bot arrive à le faire gagner. T'as combien dans la barre là? T'es au trois quarts? Dans la barre de rapport de force? Ouais, je suis à peine à un quart. Je suis Ah, le quart, et mais l'ordi?
L'ordi te dit que t'es en train de gagner alors qu'en vérité tu la perds. Si je le fais en résolution de protection, ouais. Donc clairement je... tu vas voir. tu vas voir ce que ça va te dire. Ah, il y a des batailles comme ça où techniquement tu la perds, mais en réseau auto tu la gagnes, on va savoir pourquoi. Exactement. C'est... Moi ça me va. Hein. Vaillante ouais, défaite. D'énormes pertes. Et ah, t'as perdu. J'ai perdu, alors que ça me donnait gagnant. Ah, mais je crois que c'est pas sûr à 100%. Eh ben, c'est très rare, je vais être honnête. Ça m'est pas arrivé depuis c'est terrible. Plusieurs centaines voire milliers d'heures de jeu. Oh merde. Est-ce que je peux me barrer? Oui. Envoyer l'armée de tir pour aider Tiob le temps qu'il se refasse une armée. Non, ça devrait aller parce que... Là, je peux rentrer chez moi et réattaquer le tour d'après. Mais... Ah, j'ai deux armées de tir qui n'est composée que du général pour le moment. Ah, c'est chaud là. Non, mais t'inquiète, moi de mon côté, c'est plutôt tranquille. Pardon. J'ai réussi à placer tous mes pions dans toutes mes villes histoire de défendre mes colonies si jamais. Donc, je peux me permettre d'envoyer mon armée de tir. À votre service. Comme ça, ça peut te donner un coup de main pour en finir avec tes ennemis. On va voir. Repli. C'est les replis, là. Ah, c'est la débandade. Surtout que s'il veut, il peut m'attaquer, en plus. On... Prêt pour la bataille. À votre service. Nous nous battons. Je vais faire ça. En route au nom de Pharaon. 3, 4, 5, 6, 7. T'as tout réorganisé à l'ancienne. Ouais. Ouais. Je vais fusionner deux petites unités là qui ont pris cher. Et je vais faire qu'une seule armée. Comme ça, de 1, je vais économiser un général. Ça coûte cher. Et de 2, s'il m'attaque, là je pourrais peut-être gagner même si c'est une embuscade. Ah, t'as ton pharaon dans l'armée en plus, t'as de la chance, il est pas mort. Oui. Ouais, de ouf. Oh là là, ouais, j'ai sué un peu. Bon. On va la faire différemment. T'as un peu de chance dans ton malheur, comme on dit. Exactement. C'est que ça, je vais trouver une nouvelle mission. Au mari de ma fille, il va recruter quelques troupes et j'enverrai les troupes pour t'aider si besoin. En fait. Bon, en soi, ça devrait le faire quoi. Mais... Ouais, mais si tu te fais attaquer, s'il contre-attaque, tu seras bien content d'avoir quelques unités en plus. Je pense aussi, ouais. T'as vu qu'il voulait recruter mes premiers archers? Pour aller chez les couches, bon bah ça se passe pas forcément comme prévu. On va quand même recruter les archers, hein, faut pas déconner. Ah bah zut alors. C'est pas bien grave. Ça me coûte combien d'améliorer ça? 100? 50? Ouais, j'améliore. 100 pour les deux, pour les deux unités d'éléphants. On n'a pas eu des masses de pertes en plus. Comment ils ont eu Ils ont envoyé attaquer une colonie, donc ils commençaient l'appartement à masse 4. En vrai, ils ont perdu facile plus de la moitié. Hein. La garnison, ils ont perdu. Ouais, pareil. Ça, c'est pas joué à grand chose. Ah, mes oplis de Perse là, ça coûte que 100 entretien. Oplis de Perse. Je pense que quoi, comme stat, des piquets enroulés ça devrait suffire pour commencer contre ton adversaire.
Ah oui, largement, hein. Mais même là, hein, honnêtement, j'aurais pas dû la perdre. J'aurais pas dû la perdre. Comment puis-je aider ? Je pense que d'ici ouais, deux tours, j'aurai une petite armée à t'envoyer. Un homme pas une grosse armée, mais... Après, là, si ça se passe bien, normalement, j'y retourne et je les démolis. Hein. Après, même si, finalement, t'as pas besoin d'aide, au moins ça me servira derrière pour protéger ma ville. On sait jamais si Nabatée m'attaque. Eh ouais. Par contre, je suis en train de voir Chypre. Chypre, ils avaient une armée. Ah, ils se sont fait défoncer 20 péons, là. Ah ouais, ils ont perdu 6 dés, c'est pour ça. Ah non, mais en fait, ils se sont fait prendre 6 dés sans perdre leurs troupes. Et là, je vois qu'ils ont plus les troupes. Je les cherche, mais... Ah. Là, je vois juste quelques troupes à Chypre. Mais 7 sur... ils étaient 17 ou 20, un truc comme ça. Ouais. Ah, Jérusalem n'a pas de mur. C'est bien ce que je pensais. Et t'attaques. Ouais. Elle est gagnable manuellement. Le problème, c'est que c'est une embuscade. Ah. En ligne, ah, je t'aurais dit oui. Ouais. Ah, j'étais obligé pour sortir de là. Heureusement, j'ai recruté quelques éléphants. Et les éléphants, c'est totalement marrant. Pété. Ouais. Le souci, c'est qu'ils ont deux unités à distance. Donc, à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer la cavalerie sur les unités à distance. Contourner tout le reste. Et temporiser un petit peu avec l'infanterie sans la faire trop bouger. Pendant que mes éléphants, ils flanquent. Le ménage. Ouais, les infanteries là, égyptiennes et les lanciers. Les piquiers, on verra un peu plus tard avec les... Si on peut éviter le corps à corps des piquiers. Ah, ils ont pas non plus des unités constituées à 100%. Donc, au niveau du moral, je pense qu'on peut remporter la bataille. Je pense aussi, ouais. Hop, tu me diras, toi non plus. J'ai une unité... J'ai 4-5 unités qui sont pas trop mal. Le reste... Ah, mais c'est pas en embuscade, c'est une bataille classique. Ah ouais, tiens. Ah, l'embuscade a échoué, alors. Ah... Bah tant mieux, alors. Ah, de fou. Ok. Je vais te confier... Oh, les éléphants, ils sont beaux. Ouais, ça je t'avoue. On va garder un chacun, là. On va prendre un chacun. La cavalerie. La cavalerie, tu l'avais bien gérée, je vais te la laisser. Ah, en vrai, quand t'as que ça à gérer, c'est plus simple que quand tu dois alterner entre différentes unités micro-gérées. Ah, c'est clair. Hein. Voilà, ils sont pas à 100%, donc je vais peut-être les ménager un peu. Ça va servir que si nécessaire. Ouais, après, en vrai, si la cavalerie, elle va surtout servir à aller chercher ses unités à distance. Parce que moi, là, je vais devoir engager le front avec mes troupes corps à corps, là, mes infanteries. Je vais être obligé d'engager le combat pour pas prendre trop de pertes à distance parce qu'ils ont la supériorité à distance. Et dès que j'ai le corps à corps, bah, c'est foncé sur eux, quoi. Hop, on a chacun des éléphants à un endroit, ça c'est parfait. Alors normalement ils vont venir, on va voir comment ils vont se comporter. Déjà les éléphants, hop, on va les mettre de côté. Je vais déplacer les miens. Ouais. Oh, les renforts ennemis. Allez les éléphants. C'est quoi comme unité? Des piquets? Ah non, les éléphants contre des piquets, c'est pas bon. Pas de, ah ouais, de face. C'est des piquets. Ouais. Merde. Exact. Ah, c'est pas de peau. Peut-être des lanciers ou des épéistes, ça leur a fait, mais là... Ouais, je m'en accélère un petit peu. Ah, c'est dommage. Ça. Ils vont débarrasser. Hop, t'approches, pas, map, là, t'approches a... pas trop, sinon les archers, ils prennent le... Enfin, les troupes, en fait, si t'es trop près, elles vont se décaler pour toi. On va vraiment, ouais, laisser... T'inquiète.
pour Pharaon. Ah, ils ont des munitions, les infanteries, ok. Et qui est à votre commandement? Hop, là je vais devoir les mettre là, ils sont moins nombreux. Mes unités à distance, on va les mettre là. Put, bien en ligne. Avec un peu de chance, ils vont peut-être vouloir taper mon général. Ce serait cool. Attaquer leur général, je pense, sur différents. C'est un piqué. Fronts. En vrai, si je les prends de flanc, ça passe. Ils ont pas déployé leur pique en plus. Va falloir ouais, checker. Ok, ces unités à distance. Ah oui. Ouais. Je leur mets la pression, mais ils pourront pas de façon mettre leur mur de pique sur dans tous les côtés. Surtout si c'est l'éléphant qui prend la première, le premier. Le premier, je sais plus comment on dit ça. Ça sent bien la bataille. Ah ouais, bah pas moi. Je suis en train de m'y divertir avec les cavaliers. Je la sens pas trop bien, je vois beaucoup de piquets. Je t'avoue que. Ils ont beaucoup d'unités à distance et ils avancent pas leurs propres unités et ça fait. Ça va bien se passer. Faut charger les. Ouais. C'est bon, j'ai mes éléphants qui sont à peu près. Qui vont là, pas tarder face à mes éléphants. On annule l'attaque avec les éléphants. Ah bah mes éléphants ils sont déjà fous, ils sont pris deux... Ah merde. Après ils sont dans le tas, hein, donc s'ils sont dans le tas, c'est pas plus mal. Il y a déjà deux unités et demie là qui vont être en fuite, c'est ça qui est bien avec les unités d'éléphants. Par contre, faudrait pas qu'ils viennent sur mes unités. Le général ennemi est en berne, attends j'envoie mes éléphants dans leur dos. Voilà, c'est bon, il est en déroute. Général ennemi, ah, ça c'est propre. Et là, regarde l'attaque d'éléphants là, derrière eux, sur les côtés. Ah, ça c'est bien là. Là, ils vont prendre tarif. Le déblayage total. Est mort. Alors, pas l'attaque sur les pitiés si possible. Oh, par derrière, c'est bon, hein. Mais c'est vrai que par l'avant. De toute façon, là, regarde, je suis dans le tas avec l'unité du. Oh, bah là, c'est. Ouais, et là je te vois que t'es en train de flanquer un peck. Le carnage. Ça fait du bien quand ça se passe comme ça. C'était pas gagné. Ah, c'est les éléphants qui font me cacher. Hein. Ah, de fou. Ouais, non, c'est bon. Juste vérifier qu'on n'ait pas des éléphants qui soient fous avec la cavalerie au corps à corps. À son général. Là par contre, on va le courser comme il faut. Massacre. Massacre. C'est le maître mot. Tiens, si on va continuer, juste si on peut récupérer cette unité, un pec, cette unité et celle-là. Ok, généralement je laisse personne partir. Ah, j'ai perdu aucun éléphant. Moi. Ouais, j'ai pris des. Des tirs de javelot. Ouais. Après c'est de la mercenaire donc c'est pas. Ah oui, mais c'est des mercenaires ça. Ça se remplace bien. Hop, on va les retirer du. Bulldozer. Ouais, c'est impeccable. Ah ouais, là je vois que ça. Tiens, on va pouvoir mettre en accéléré. En fait, Tiob l'a pas dit, mais c'était dans son plan de foirer la bataille en réseau auto pour après les massacrer avec des éléphants mercenaires. Exactement, en fait, il a une victoire à la Pyrrhus, là, le Cyrénaïque, mais bon, c'est... Non, pas du tout. ouais, quand j'ai vu la défaite, j'étais en mode, hein ? Non ? Bah, ils sont tous morts. Là, en vrai, là, on est bien. Hein. On va les laisser... Attends, ouais, massacre. Est-ce qu'il y en a au moins qui ont survécu en face? Ouais, je dirais une centaine. C'est quand même plus nombreux. Hein. Il faut voir les kills des éléphants quand même. Hein. 540 et 280. Oh. Ah, ils ont fait plus de 800 kills à eux seuls. Ah ouais. Le général qui s'est touché la nouille. Le pharaon, il a rien fait. Je crois que c'est même pas les meilleures unités d'éléphants du jeu.
Non, là, c'est l'unité. Alors, t'as les deux unités d'éléphants. T'as les éléphants africains et t'as les éléphants d'Inde. Les éléphants d'Inde sont plus gros et font beaucoup plus mal que les éléphants d'Afrique. Et ils font peur, je crois, aux éléphants d'Afrique. Et aussi les éléphants en armure. Ouais, les éléphants de rang 2. Alors là, ça fait un... Les éléphants en rang 2. Parce que tu vois, là, c'est des éléphants d'Afrique mercenaires, non ? T'as vu ? Ouais, tu ouais. Tu les as recrutés dans ton armée. C'est ça, c'est l'éléphant basique. Hein. T'as relâché donc, les captifs, 923. Unité de base et suite. Voyage terminé. Faut voir, je pense, plus tard l'efficacité des éléphants en armure que j'ai dans ma faction. Toi, ça va être très fort. Hein. Même ton éléphant de base, il est, je pense, beaucoup plus fort que l'éléphant là, mercenaire. En plus, j'ai des cataphractaires. Alors, ils ont vraiment un roster, les Seleucides. C'est bandon. Ah, ils sont bien, bien, bien de fou. Hop. C'est juste qu'il faut Nouvelle survivre tradition. À la crise de début du jeu, quoi. Alors, on va peut-être pouvoir récupérer Sirène cette fois, mais de manière de manière sûre, c'est certaine. J'espère que ça passe là quand même. On retente. Je pense que ça passe là normalement. À 66%, la barre elle est bien. Ah, ils ont des éléphants aussi. Ah, une unité de ouais de dirigeants. Ah voilà. Je pourrais les piller. C'est leur dernière ville ou pas? C'est leur dernière ville. Et si je les pille, mon ordre public il va. Non, il va en pâtir dur. Et là il leur reste. Oh, une petite unité qui a réussi à fuir. Oh, regarde leurs éléphants là, ils sont. Ils sont 6. Prêt pour la bataille. Et ils vont pouvoir en recruter d'autres. La question que se posent nos viewers, c'est est-ce que tu vas continuer jusqu'en Libye ou tu vas laisser cette province aux Romains ? Je vis pour ça. Non, je continue pas en Afrique. Tu veux tu dire à ma commande ? Rome sur tes basques. À ma commande ? Les territoires libyens, Acomades, Tapsus, Lepsis. Ouais, mais là, je suppose qu'ils sont encore en plus état client de Carthage. Ouais. En plus, ouais. Ouais. Donc, en vrai, je préfère dire. Je préfère laisser Rome et Carthage faire joujou ensemble. Ah ouais, ouais, c'est plus safe de ne pas t'étendre aussi loin. Sinon, peut-être que Rome va te déclarer la guerre plus tard. Ouais, exact. Là, je vois qu'en plus, je peux faire mourir de faim les Nazamons. Aoguilla, pardon. Ouais, c'est impeccable. Faire ça. Ah, tu vas pouvoir compléter la province. Ouais. Cool. Double province. Hop. Retirer le terrain d'incorporation. On va pas en avoir besoin à faire full commerce. Je veux que ça me rapporte des thunes, donc on va faire que du commerce à Ogia. Ils sont en train de mourir de faim. Les gars, là, Salamis, là. T'as cette rapide. Ils sont en négatif en bouffe. Oh les cons. Si les Galates récupèrent Chypre, je leur déclare la guerre. Ah t'as raison, t'as bien raison. Parce que déjà il y a des ressources intéressantes à Salamis. Puis ça me permettra d'avoir 2 villes sur 3 dans la province de Cilicia. Et après il me manquera plus que Sidée et j'aurai une province complète en plus. Ouais et puis t'as les Sardes qui sont. Ils sont chauds là. Ils attendent que ouais, ça bah, je crois. Pour le coup. Je les ai peut-être un peu sous-estimés. Bah disons qu'ils ont beaucoup de territoire en début, là où les Galates en ont qu'un. Donc c'est facile pour les Galates de conquérir. 271. Ah c'est vrai, tiens, on est en février 271. Moins 271. Ouais. Bah, un an est passé. Exactement, bah tiens. Puis ce sera le dernier tour. Je te laisse juste jouer. Ah ouais, les 20h15. Ah ça fait à peu près... Un an in-game pour 2 heures de jeu, à peu près. À deux, ouais. Ça va. Je vais faire la recherche ingénierie, comme ça, mes villes fortifiées au moment de l'huile bouillante, on sait jamais si je me fais attaquer. Bon, bah, je suppose que tu n'as pas besoin de la garnison de Tyros. Alors,
Je vois encore quelques rebelles sirénaïques, mais ça devrait aller. Je les garde à Tyros au cas où Nabaté compte me déclarer la guerre. Ah, ça c'est vrai que ça ce serait moins drôle par contre. En vrai là je pense que mes frontières sont plutôt bien sécurisées. Je connais assez bien l'IA, généralement en vanilla, elle t'attaque vraiment de manière opportuniste, un peu comme aux échecs, tu vois. Si elle voit que t'as une case qui est pas protégée par quoi que ce soit, elle t'attaque quoi, sans vergogne. Ça fait plaisir. Mais comme j'ai mes garnisons et des petites armées de garnisons en plus, voilà, Palmyre, j'ai 12 unités au total, plus 5 unités, à Dura, j'ai 6 unités, plus 8, à Edess et Tarsus, c'est carrément bien défendu, Antioche, c'est fortifié aussi, bref, je pense qu'ils ne m'attaqueront pas. C'est comme moi à Diospolis, là, on est 10 unités. Hop, tranquille. Ça me permet de voilà, développer le temple des Deaths. Je vais probablement prendre le temple qui a le meilleur bonus d'influence hellénique. C'est lequel déjà? Ah, c'est l'hôtel de Zeus. C'est pas mal, hein. Plus 4 d'influence. Wow. Oh putain, de nourriture, là. J'en ai 4 en comptant le vol de nourriture, je crois. Et j'arrive presque à faire taxer autant la province d'Égypte que les taxes en France. Je ne vole pas la nourriture. Je suis à 47%, on se rapproche, les gars, on est pas mal. Je suis à 4 de surplus sans voler la nourriture, ça va. 4 de surplus, oh, c'est propre. Hein. Ouais, sans voler la nourriture. En puis, volant, je suis à 8. Puis si t'arrives à récupérer à terme la province de Mésopotamia, tu vas te mettre bien. Ah oui. Avec Charax. Bon, pour le moment, ils sont loyaux. Ouais, bon, on va pas les. Mais là, je fais du culturel, comme ça, ça va se répandre à côté, dans la province de Mésopotamia. Je fais le temple de Zeus, comme ça, avec le temps, ils vont. Voilà, ils vont s'habiller à la grecque, ils vont manger à la grecque. Les orientaux qui vont vivre à la grecque, quoi. Ils vont se mettre aux salades. Voilà, exactement. Puis, je vais développer mon stade niveau 3. Je pense que. Ah, déjà niveau 3 le stade cours. Ouais. Eh ben. Là, ce qui est bien, c'est que ça te met pas de malus, quoi. Ça te donne juste du bon. Ordre public en plus, de la richesse culturelle en plus. Puis voilà, là, j'ai plus rien à faire. Je pense que militairement parlant, en termes de défense, je suis bon. Et je pense que je vais continuer à développer mon armée. La tir. Je peux pas recruter des masses, hein, mais. Faire des frondeurs pour commencer. J'ai peut-être renommé mes armées. Ah ouais, tu as une idée. Les feux des Phaistos, la fidélité d'Athéna, les héros de Thanatos, fils de Rhea. Ce qui serait bien, c'est de renommer les personnages, mais on peut pas, c'est dommage. La morsure du basilic. Ah, ça faut demander à Harry Potter, il la connaît. Hein. Alors ouais, celle-là, je vais l'appeler Hubris. C'est pas une chose positive pour les Grecs. Ah, je sais pas la ref. Puis si en français on prononce Hubris ou Hubris. On se croit c'est l'Hubris. C'est, en fait, c'est comment dire. C'est quand t'es greedy finalement. Et que les dieux te le font payer au centuple. Parce que c'est cette armée-là qui va aller conquérir des terres. Bon, les autres, je les renommerai plus tard. Ça va être plutôt double pour eux. Oui. Bah voilà, bah, je pense que. Fini. Hein. Ah, je peux faire du commerce. Rhodes, ils veulent pas. Toujours pas. Après, je produis
que du verre. T'as du fer aussi, qu'on commerce tous les deux, je crois que tu peux le commercer. Oui, mais c'est du fer que je t'importe, c'est pas une production que je produis. Mais tu peux pas exporter une importation ? Ah, j'ai ma soie, mais je peux pas la produire. Ah mais non, ma soie, je la produis dans mon bâtiment de base, je crois. C'est Edes qui te fait de la soie. Ouais, Edes. C'est le bâtiment de base qui produit la soie. Ouais. Mais ça me donne pas une ressource échangeable, je crois. Voyons voir si on va dans... Ah ouais, tiens, c'est pas une ressource échangeable la soie. Bah, si. Si, importation, soie, importe de séleucide. Je t'importe des épices. Ah non, j'apporte un abatté des épices. Et je t'importe de la verrerie et des. Et de la soie de ta part. Ah donc j'exporte quand même. Ah bah oui, non j'avais pas vu. C'était en petit et en violet. Production de soie, en effet. Voilà, j'ai sauvegardé. Juste termine le tour et je ferai la sauvegarde au tout début du tour. Ok, ça marche. Bah, et comme ça, on aura double sauvegarde au cas où. Maha. Bon. Pour une attaque suicide. Ouais, exactement. Bon, ça devrait passer, hein. Et quand même, et 16% de perte. Hein. Dommage que ça soit des éléphants. Surtout des éléphants contre des murs. Ah, c'est ma garnison qui prend. J'ai perdu mes deux garnisons. Terrible. Oh la vache. Oui. Après, 480 thunes. Hein. Ah. Juste pour ça. Ça paye. Ah ouais, on va pas se plaindre. Allez, les sirènes qui n'ont plus. Allez, je vais faire la sirène. Hop là. Sauvegarde réussie. On va vérifier. Ouais, impeccable. Je crois que sur les Total War les plus récents en coop, on peut pas faire une sauvegarde quand on n'est pas out. Tu peux pas, toi ? Ah, mais c'est toi à l'autre, je suis bête. Mais je peux quand même faire une sauvegarde de mon côté. Ouais, c'est je crois ça. Que sur Warhammer 2 Total War, par exemple, quand tu n'es pas l'hôte, je suis pas sûr que tu puisses faire une sauvegarde. Et c'est sauvegardé en cloud, peut-être ? Bah, l'hôte peut faire une sauvegarde. Ouais, mais peut-être mais que sur le nouveau, c'est full cloud, donc je sais pas. Peut-être, j'en sais rien. Bon. En tout cas, Veil, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah bah, carrément, c'était vachement fun, et puis... Bah, ça fait un an maintenant que j'ai découvert ta chaîne YouTube et j'ai toujours apprécié tes vidéos, elles sont chill et tout. Ouais, pareil. Plaisant. Tout pareil, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore Veil, à aller sur sa chaîne. Tu l'as renommé, je crois, c'est Veil le Stratège. Oui, anciennement, je l'avais appelé Veil Vitis, mais je l'ai renommé Veil le Stratège. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a piqué ton pseudo. J'ai une chaîne Twitch aussi. Oui. Que j'ai appelé sommairement Veil TV. La chaîne Twitch dont Veil-du-6 TV également, il est en stream. Il fait pas mal de War Thunder en ce moment. Pour ceux qui aiment également. Oui. Et aussi du jeu de strat. Je fais des jeux de stratégie en live quand j'ai plus de contenu à publier pour ma chaîne YouTube. C'est ça. Donc c'est plus occasionnel, mais j'en fais. J'en fais toujours. Et ce que je voulais dire. Ah oui. Ça s'adresse à mon audience, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Gatshop, faites-le. Et en retour, allez bien évidemment jeter un œil au contenu de Veil, et si ça vous plaît, abonnez-vous. Il est régulier, ça fait un moment déjà que c'est découvert sur YouTube, il est régulier. Vous manquerez pas de contenu, et en plus le contenu est sympa, clair. Donc n'hésitez pas. Là, j'ai atteint la 900e vidéo. Non. C'est beaucoup trop. Déjà ah si, c'est beaucoup trop. Attends, je sais pas combien. Ouais, en même pas un an et demi, ça fait quoi ? Un an et 3 mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, un truc comme ça ?
Attends, où est-ce que tu vois ça, le nombre de vidéos? Bah, c'est marqué à côté de ton nombre d'abonnés sur YouTube. Et à marquer dans ton accueil YouTube ton nombre Ouais. d'abonnés. Et à marquer aussi le nombre de vidéos que tu as. Mais après, il Eh, compte je l'ai aussi pas. les shorts YouTube. Je te jure, j'ai pas. Ah bon? Attends, ça veut dire qu'on n'a pas le même sur le tableau de bord? Non, sur YouTube. Quand tu vas Ouais. sur ton profil, ton accueil. Ah. Non, je te parle pas de YouTube Studio. Je parle vraiment de YouTube, comme si tu allais sur 792, ouais. YouTube regarder une vidéo, mais tu vas sur ton profil, dans ton accueil, sur ta propre chaîne, il est marqué. Donc vous voyez, en 1 an et demi, il a été plus productif que moi en peut-être 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Ouais, bon, après, Donc je peux vous en dire. soi, dans ma vie, j'ai que ça à foutre, hein. C'est pas forcément une gloire, hein. Vous trouverez le contenu qui vous intéresse. Je peux vous dire, il y a beaucoup de choses. Ah bah c'est Donc. surtout du Total War. Aussi d'autres jeux. Là, en ce moment, par J'ai exemple, il y a commencé la. un let's play sur Skyrim, je sais pas si un jour je le finirai, mais bon. Là, en ce moment, il a. Comment ça s'appelle T'as commencé une campagne sur Three Kingdoms, voilà. Oui. Exact. Enfin, je la continue d'ailleurs. Que je vous Un de conseille, ces quatre. elle est cool et le jeu est une pépite. Ah, il est très dépaysant. Oh Ça n'a oui. rien à voir avec les anciens Total War, mais il est C'est pas vrai que mauvais ça pour autant. change beaucoup. Il a reçu de nombreuses critiques, autant positives que négatives. C'est vrai que ça change beaucoup par rapport à ce qui existait. Et moi, je trouve ça dans le bien. C'est mieux que Pharao. Et En c'est plus vrai, ancien. si tu aimes bien la culture chinoise, l'histoire chinoise de l'Antiquité, ça peut être intéressant. Ouais, j'aime bien aussi cette C'est partie-là. assez immersif de ce point de vue-là. Ouais, de fou. Surtout si tu mets les noms des villes et des provinces en chinois. Ah, je suis pas au point Ça de peut être un savoir les peu lire non technique plus. de les prononcer, les mots. Hein. Ah, je le dis parce que j'ai voulu mettre ça en VO. Alors bon, c'est bien, mais ça peut être un peu compliqué T'avoues que de je saurais pas prononcer les lire noms les des villes. caractères. Surtout si tu es streamer ou si tu fais des vidéos. Faudrait que je demande à mon pote comment ça se prononce. Un pote, comment ça se prononce. Je sais, c'est sa langue natale. Je lui demanderai à chaque fois, c'est comment ça? Ça veut dire. Il va me dire, tu me fais chier là, me demander à tout traduire, c'est bon. Mais ouais, très très bon jeu. Honnêtement, attendez une solde et achetez-le si vous avez un PC assez puissant, parce qu'il est quand même gourmand. Ouais, en fait, il faut attendre le nouvel an chinois pour l'acheter. Mais c'est pas une blague, ils font des belles promos sur ce jeu-là. Donc janvier, février, profitez-en. Bah, c'est à ce moment-là que je l'ai acheté d'ailleurs. Ouais, ils avaient fait une belle promo. Hein, et ils les font en général, des belles promos à ce moment-là. Ouais, de toute façon, les promotions sur les Total War, c'est souvent 2 fois dans l'année, hein. Je sais qu'il y a à ce moment-là, et je sais plus quand. Je crois qu'il y en a une en ce moment. Ouais, je crois que c'était sur Warhammer 3, Ouais. il me semble. Mais je suis pas fan moi des Warhammer donc. Bah moi, j'ai acheté L2 pour une bouchée de pain, et ça me suffit. Ouais, pareil. Mais tu vois par exemple, j'adore le fantasy médiéval, mais Warhammer, j'accroche pas du tout. Moi, Mais j'aime bien c'est. l'univers de Warhammer. Je le trouve sympa, même si c'est pas l'univers que je préfère et que je connais le mieux. Après, malheureusement, dans les jeux les plus récents, les développeurs ils sont un peu feignants sur certains aspects. Je trouve qu'il y a des petites régressions de gameplay sur certains trucs. Bah en fait, ouais, les compagnies elles veulent pas prendre de risques, elles veulent continuer de partir sur des trucs qui fonctionnent. On l'a vu avec Pharaoh. Sauf qu'en fait, bah ça fonctionne pas vraiment. Enfin, c'est correct. Quoique Pharaoh, ça a bidé parce que c'était mal foutu. Mais en général, les jeux sont corrects. Mais ils sont pas transcendants, ils ont rien de nouveau. Mais ils sécurisent, on va dire, un public. Ils sécurisent des ventes comme ça. Donc, si vraiment vous êtes fan d'un certain type, moi je vous conseille d'aller voir les. Des petits jeux indés en fait. Petits jeux indés et avec un peu de chance vous tomberez sur une pépite.
Ouais, sinon, suivez de l'argent et les jeux Paradox et leurs 300 euros de DLC. Oh putain. J'avoue que. Putain, c'est pire que. Comment ça s'appelle Eurotrunk. Ah ouais. Et... Ah, ils font des jeux en vanilla pas fini, et puis ils rajoutent 10 000 DLC, et puis là, t'as le jeu complet. Après, on dit ça, mais Rome 2, ils en ont rajouté quand même un paquet. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a eu un bon traitement. Rome 2, ouais, c'est... C'est clair. Ah, mais du coup, il a été mis à jour à côté, tu vois, même ouais. S'ils ont sorti des trucs... Pendant longtemps, hein, presque pendant 8-9 ans, je crois, ils ont été mis à jour. Il a été mis à jour. Jusqu'en... Bah, de 2012 à 2019, il me semble. Parce que là, le jeu, il a 11 Tandis ans, Tandis qu'Attila, au bout d'un an, ils l'ont abandonné, et puis c'est les modeurs qui font le taf, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, merci Valé, c'était Thiob. Bah, je te remercie. À bientôt.